Le lien, c'est une monnaie locale, donc ça veut dire que c'est un moyen de paiement qui circule sur notre territoire. Donc un lien, c'est égal à 1 euro. Mais le principe de lien, c'est qu'il ne peut circuler que parmi les adhérents de l'association, des entreprises, des citoyens, des associations, des collectivités, pour soutenir l'économie locale et la transition écologique. Au lien, on organise des temps de réseau professionnel autour de petits déjeuners, donc on appelle ça les petits déj des pros. Donc les petits déj, c'est d'abord un temps où on va faire un petit tour de table pour découvrir un peu qui est présent, les activités de chacun, une actualité de ce qui se passe dans sa structure en ce moment. Et puis après, c'est un temps convivial autour d'un petit déjeuner qu'on partage tous ensemble, où du coup on peut discuter de tout ce qu'on veut. À la tablée, l'idée c'est de promouvoir les savoir-faire, le faire ensemble, dans une logique de développement de notre capacité d'agir individuelle et collective. Aujourd'hui, on accueille le petit déjeuner des pros du lien. Ça fait depuis notre ouverture qu'on fait partie du réseau de la monnaie locale. Pour nous, c'était important de s'inscrire dans cette démarche parce que c'est un outil qui est porteur de sens, qui permet aussi de renforcer la coopération entre des acteurs qui travaillent autour des thématiques de transition. Donc l'objectif du lien à travers cette monnaie locale, c'est d'avoir un outil que tout le monde puisse utiliser, donc des citoyens, des entreprises, des assos, qui soit accessible à tout le monde pour soutenir l'économie locale et les entreprises du territoire. À la fois d'afficher leur engagement, de le matérialiser un peu en prenant le lien, c'est montrer son engagement pour le territoire, de se faire connaître, de découvrir d'autres acteurs qu'ils ne connaîtraient pas forcément sur le territoire et de se faire connaître du réseau. Donc voilà, rejoindre un peu cette communauté-là de solidarité, d'entraide. On a souhaité adhérer au lien qui correspondait à nos valeurs. Au-delà d'une monnaie, pour nous, c'est surtout un état d'esprit qui met vraiment en avant les pros qui sont tous dans la même région, avoir vraiment un lien qui soit local. Techniquement, l'utilisation du lien, c'est relativement simple. Alors, c'est déjà une centaine d'entreprises qui l'utilisent sur le territoire. Le principe, c'est que ça circule sous deux formats. Donc, on a des billets, donc de 1, 2, 5, 10, 20 liens, qui représentent la même valeur qu'en euros. Et on a une application de paiement sur laquelle on a des unités. Donc, c'est l'équivalent d'un deuxième compte en banque. Le projet du lien, c'est un projet de solidarité locale, un peu de constituer une communauté d'entreprises, de citoyens. L'idée, c'est qu'on puisse accueillir un peu toutes les personnes qui auraient envie d'aller dans ce sens-là au sein du réseau, peu importe au stade de maturité où chacun en est, hein, l'idée c'est qu'on puisse refaire collectif, refaire une communauté et puis travailler à partir de là. Donc n'hésitez pas à nous recontacter si ça vous intéresse.